Bien les amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure. Vous voyez derrière moi une Porsche Taycan, première électrique au niveau de Porsche, mais c'est ma première aussi. Alors pas un peu de pression, hein, pour pas changer. On va voir tout de suite dans quel état elle est arrivée. Là maintenant, je viens de terminer le nettoyage. On fait le tour ensemble après le nettoyage et puis en route pour l'aventure. Vous me suivez, c'est parti. Grande nouvelle aussi, c'est la 100e vidéo que je vais poster sur YouTube. Bah, je vais marquer le coup aussi avec cette voiture. Installez-vous, on part sur la vidéo.
Bien les amis, vous avez vu dehors ce que ça donnait au soleil. À présent, on va voir exactement ce que ça dit au niveau des lampes. Alors, en séchant la voiture, ben j'ai déjà remarqué des petites choses. Voilà. Sur l'aile. Alors, il y a ici également sur le flanc. Juste là au niveau de l'éclairage, vous voyez? Voilà. Il y a des petites bricoles, hein, comme d'habitude. Le passage d'aile. Alors ici, l'aileron arrière, ben, il y a des incrustations, il y a de la micro-rayure. Une belle fiente d'oiseau qui est restée plantée dedans. C'est toujours le même combat. Ça ne change pas. Vous savez déjà un peu comment je fonctionne maintenant à force de me suivre dans mes aventures. Même chose ici, pare-choc arrière, vous voyez, il y a des défauts. Alors ici, j'ai un gros défaut quand même. Voilà. Et ça court ici, surtout. Voilà. Alors, la voiture n'est pas fort micro-rayée, il n'y a pas fort de défaut. Parce qu'elle est, elle est toute jeune, hein, elle n'a pas des masses de kilomètres. Vous voyez, juste là, voilà, même chose. Alors, quand je vous disais que la voiture n'avait pas des masses de kilomètres, elle est en 6000 et demi. Elle n'a que 6 500 km au compteur. Et on va voir un peu, on va voir un peu comment ça va fonctionner au niveau de la correction. Voilà. Allez, c'est parti.
Bien voilà les amis, aventure terminée. Le client a repris son véhicule. Je suis très satisfait du travail. Lui aussi, parce que quand il a vu la voiture, il avait des étoiles plein les yeux. Encore une très très grande satisfaction pour moi d'avoir pu aller jusqu'au bout de cette prestation. Parce que le souci qui s'est passé au niveau de cette prestation, le vernis au niveau du capot, je ne sais pas très bien d'où il venait, mais j'ai eu un voile de polish. Donc le polish s'est mélangé au vernis. Donc il a fallu refaire le capot quand même deux fois. Après, j'ai eu un petit souci aussi, encore une fois, sur le capot avec la pose de la céramique. J'ai eu une réaction. Donc il a fallu encore retravailler encore à ce niveau-là. Mais vous allez voir maintenant le produit fini. Cette Taycan est blinquante, brillante à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, le client est déjà venu la voir. Et on a été la lui reporter aussi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me mettre au volant et pouvoir lui ramener sa belle chez lui. Chose que je ne fais pas souvent, mais voilà. Maintenant, je vous laisse avec la fin. Moi, je vous dis à la prochaine aventure. N'oubliez pas, vous vous abonnez à YouTube. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne et je suis très très content de voir qu'effectivement, c'est une chaîne qui vous intéresse. N'hésitez pas, abonnez-vous, histoire d'être tenu au courant des évolutions, des différentes prestations également. À chaque fois qu'il y a une prestation qui arrive, j'essaye de vous la mettre le plus rapidement possible. Donc, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant. Ça n'engage à rien, c'est gratuit et ça fait pas mal. C'est le principal. Et alors, rejoignez-moi sur le groupe Facebook, sur Instagram également. Les données sont en bas dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao les amis.